J'étais en blanc de la tête aux pieds, la robe et le jupon à mi-donner, les souliers comme du lait, les boucles d'oreilles en porcelaine blanche, un triple bracelet assorti aux boucles d'oreilles et un porte-monnaie blanc, en toile cirée d'après Julieta, avec le fermoir en forme de coquille dorée. Quand on est arrivé sur la place, l'orchestre jouait déjà. Au-dessus de nos têtes, il y avait des fleurs et des guirlandes de papier de toutes les couleurs. Une guirlande de papier, une guirlande de fleurs, et ainsi de suite. Il y avait des fleurs avec une ampoule dedans, et le plafond ressemblait à un parapluie retourné parce que le bout des guirlandes était fixé plus haut que le milieu, là où elles se croisaient toutes. Le ruban élastique de mon jupon, que j'avais eu du mal à faire passer avec une aiguille à tricoter qui ne voulait pas passer, tenait par un petit bouton et une ganse, et me serrait. J'avais sûrement une marque rouge à la taille. De temps en temps, je respirais profondément pour élargir la ceinture, mais je n'avais pas plus tôt relâché l'air que de nouveau, je souffrais le martyre.